departure date. Thank you. Have a pleasant. Bonjour à toutes et à tous et encore bienvenue sur la chaîne PKMA Airlines. Nous sommes actuellement dans notre environnement de simulation X-Plane 11 et nous sommes présentement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez ici, donc, c'est la modélisation faite pour l'aéroport d'Abidjan. Je vous comprends, ne reflète pas parfaitement la réalité, mais nous sommes actuellement sur un simulateur de vol. Pour notre vol d'aujourd'hui, nous partirons donc de Abidjan, ici, comme vous le voyez ici, donc en Côte d'Ivoire, et nous serons à destination du Gabon, plus précisément dans la ville de Franceville qui se situe au sud-est du Gabon. Pour ce vol en provenance donc d'Abidjan où nous sommes actuellement et à destination de Franceville, nous allons utiliser notre A320neo designé par JAR Design que vous voyez ici sur le quai 5B de l'aéroport d'Abidjan. Sans plus tarder, nous allons faire appel au service au sol afin de se connecter à notre avion. Nos services sol sont entièrement connectés à notre avion, donc ici nous avons notre room power et nous avons les services de restauration, donc des catering, air, services des bagages qui sont en train d'arriver en fait d'échanger notre avion. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre cockpit afin de préparer notre avion. Et nous sommes actuellement devant notre porte principale et nous allons rentrer dans notre avion afin de préparer celui-ci à notre vol. Je vous laisse au passage apprécier donc ce très beau design fait par JAR Design de ce A320neo. Je vous fais visiter ici donc l'intérieur de ce très bel avion que j'apprécie bien pour son design et pour le travail qu'il fait. Été effectué par les équipes de JAR Design. Donc là nous avons donc les classes économiques, nous avons ici l'arrière de notre avion avec l'emplacement des dispositifs de restauration et là l'escalier de service et là nous avons donc le catering air. C'est tout le catering qui est venu nous charger donc en nourriture pour notre vol. Allez, sans plus tarder, nous allons nous orienter vers le cockpit afin de préparer notre avion. Voilà, petite première classe. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes dans notre cockpit. Je vais y entrer. Nouveauté, c'est mon copilote virtuel qui va m'assister pendant ce vol. Je vous présente Tom. Voilà, moi je l'appelle Tom, qui sera avec moi pour ce vol. Sans plus tarder, je vais m'asseoir à ma place de pilote. Et je vais commencer à préparer cet avion. Nous sommes actuellement connectés donc à l'external power. Je vais donc activer mes batteries et les connecter directement à l'external power. Ok, emergency light, on va le mettre à army. Les no smoking, on va les activer. Je vais initialiser mes navs, donc ici les IRS. Je me suis positionné sur le système. Et en 7 minutes, ça va s'initialiser. Les pompes à carburant, je vais tous les
désactiver. Avant de faire les tests, je m'oriente vers la radio afin de l'activer. C'est un très bel avion, donc au passage je vais éclairer l'intérieur. Nous avons nos radios qui sont on et tout est parfait. Du coup je vais faire les tests fire de engine, non, APU. Je vais contacter donc la TC pour avoir donc le bon numéro du transpondeur. Allez, c'est parti. PRKMA Airline PRKMA 1 ready to copy IFR clearance. PRKMA Airline PRKMA 1 is cleared to Foxtrot Oscar Oscar November as filed. Expect departure runway 21. Climb and maintain flight level 040. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 5143. PRKMA Airline PRKMA 1 is cleared to Foxtrot Oscar Oscar November as filed. Climb and maintain flight level 040. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 5143. PRKMA Airline PRKMA 1 read back correct. QNH is 1008, let us know when you're ready for pushback. QNH is 1008, PRKMA Airline PRKMA 1. Ok, donc l'ATC nous a donné plusieurs informations. Donc le transpondeur il sera de 5 1 4 donc 5 1 4 3. Nous avons un altimètre en 10,08 Pascal. Donc 10,08 Pascal. Voilà, c'est bon. L'altimètre a été réglé. Et du coup, nous allons régler ici notre transpondeur qui est de 5, je vous le disais. 4, 5, 1, 4, 3. Monsieur, ok, ok. Je vais me mettre directement en Terra RA. All, c'est bon. Allez, on clique sur identifier. Donc, tout est bon de ce côté. Ici, je vais mettre en GameMax, Map et en 5 pour le radar. Je vais mettre un peu d'éclairage côté copilote. Parfait. Tout à l'heure, donc pendant que mon copilote contactait donc l'ATC, j'ai réglé ici l'altitude de croisière qui est à 34 pieds. Donc nous monterons à 34 pieds par palier selon les consignes de l'ATC. Sans plus tarder, je vais ici actualiser mon méta. Et je vais ici paramétrer mon plan de vol. Donc ici c'est l'ordinateur de bord et nous allons paramétrer notre plan de vol. Nous partirons donc de l'aéroport de Abidjan. Le code ICAO est DIAP. Et l'aéroport de Franceville a pour code FOON. Donc on n'a pas de co-route, on n'a pas d'alternance. Mon numéro de vol est le PRKM CA 001. Il ne change jamais.
Et je vais ici aligner ma ZRS. Nous montons donc à une altitude de 34 000 pieds. Et en cost index, nous allons le configurer à 80. Pas mal. Je passe à la page suivante. Donc ici, c'est les paramètres liés au carburant et au poids de l'avion. Donc ceci a été déjà configuré et je vais juste cliquer pour pouvoir prendre en compte ce qui a été fait. Ça c'est fait. Okay, super. Et je vais revenir au niveau des perfs. Avant d'arriver au niveau des perfs, nous allons rentrer notre plan de vol. Vous voyez, il n'est pas encore rentré et nous allons rentrer ce plan de vol. Ok, donc nous partirons de Dieppe, à départure, piste 21. Il n'y a pas de site, donc nos sites, nos transits. Super. Bien sûr. Et le point prochain point de passage, ce serait A B 501. Si ce ne marche pas, je vais le faire autrement. Next point, donc notre point de passage ce serait A P 501. Donc next point A P 501 et c'est bien le premier. Oui, nous allons prendre notre premier. Nous allons l'insérer. J'ai une discontinuité ici que je vais enlever. Celle-ci, on n'enlève pas comme ça. On va faire une directe. Tout A, B, et on insère. Voilà. Et bien. J'ai pas pris un mauvais point. Je vais faire un check sur le plan. Non, je vais vérifier ce premier point parce que j'ai eu une pression de 2 points et j'espère que j'ai pris le bon point. Donc je vais mettre en 10 et le check est là. Je vais aller sur le flight plan. Ça m'a l'air parfait. Allez, nous allons continuer donc je vais ici donc ajouter tous mes points. Donc nous passerons par tutelle. Il n'y a pas de via, donc c'est tutelle directement. J'espère qu'il va prendre en compte. Non, il s'attend à un via. Allez, je reviens sur Return. Je vais cliquer ici et le next point, ce sera Twitter. Voilà, maintenant ça va être bon. Car on a bien notre Twitter, on va. Je vais supprimer cette discontinuité qui a paru, comme ça c'est fait. Je vais
serré. Il reste point sur tête qui est là. Et ici, nous allons maintenant mettre un via. Non, pas encore. Je réfère encore. Pas besoin de via. Donc, Chitel. Et le nest pour se serrer. Racol. Racol. Je vais aussitôt enlever la disponibilité qui est là. Je vais insérer. Allez, après Racol, on a bien un autre point. Donc, on va faire un nest point qui est S U S I G. Voilà. J'enlève la discontinuité qui est là et j'insère. Et après ce sig, nous passerons par un via. Donc là, c'est airway. Donc le via, c'est UR. 969 tout LV qui est Libreville et nous prenons encore un autre via donc notre route UG 856 et la destination c'est Love Key. Love Key, nous sommes déjà à l'approche de Franceville. Love Key. Super. Allez, nous allons insérer tout ça. Bien notre arrivée et nous arriverons par la piste 33 RW 33 pas de star pas de transit. Est-ce qu'il y a du structure qui apparaît? Non. Allez, on va insérer tout ici avec une structure qui est là. Nous allons tout simplement l'enlever. Mais tout est parfaitement renseigné et là je vais checker mon plan de vol sur mon ND. Ici cet écran sur le PFD. Bon, on va ici et on a notre ND. Donc le PFD et le ND. Ok, donc nous allons checker notre plan ici sur le ND. Alors, est-ce qu'il y a une discontinuité ici? Dont les coordonnées sont plutôt celui-ci. Ouais, c'est bien ça. Donc le premier AP, nous allons le supprimer. Donc, on va dire celui-ci.
maintenir cette discontinuité, vous gardez celui-ci. Allez, je vais insérer tout ça. Voilà, c'est parfait. Du coup, je vais aller checker. Ben voilà, on est propre là. Vous voyez bien, toujours très important de vérifier parce que j'ai eu deux coordonnées différentes de la pile et j'ai dû prendre un point qui était très distant et du coup, ça allait foutre un peu le bordel dans mon plan de vol. Allez, vous voyez bien que mon plan de vol ici est cohérent. Voilà, super. Donc, tout est bien. Je vais me permettre quand même de sauvegarder ce plan de vol au cas où nous serons amenés à le refaire. Je vais devoir sauvegarder ce plan de vol. Nest. C'est pas ici qu'il faut faire. Data. Allez, donc ça va qui vient de Diap. Parfait, nous allons maintenant configurer nos perfs. Donc, en V1 on aura 153, en VRR donc vitesse de rotation 158 et vitesse de sécurité ici elle est de 217. Ok, super. Je vais continuer donc la configuration. Ici, nous allons rentrer donc la distance de la piste de l'aéroport d'Abidjan. Ok, donc l'aéroport d'Abidjan mesure 3 km. Donc ici, on va le mettre en mètres, donc ça fait 3000 mètres. Super, très important. Donc nous sommes ici en flaps 1. Je vais mettre un hop. Hop 1, c'est sur le niveau du flaps et là c'est le trim. Vous allez voir que ce trim va se paramétrer automatiquement. Voilà, et nous mettons en flex, on va mettre du 50. Transit altitude, ok, nous pouvons laisser pour ça. Ok, ben tout est parfait, nous passons sur le nest. Et ici, il n'y a rien à faire. Parfait, ici nous y reviendrons plus tard, quand nous serons en phase d'approche. Ok, tout est parfait pour moi, je reviens sur mon flash, mon flight plan, niveau de radar, tout est bien configuré, rien de spécial. Allez, c'est parti, je vais donc afficher, je vais revenir dans ce mot ND, je vais le configurer donc en mode arc, voilà. Avec mon joli plan de vol, je vais mettre mon radar terrain, et je vais ici mettre mon bleed pour voir la conditionner. Pour voir la conditionner, je vais mettre conditionnement. Tout est bon. Ici. Allez, sans plus tarder, ben, nous allons donc demander donc la fin de l'embarquement. Pour que les derniers passagers puissent se presser à rentrer dans l'avion. Mesdames et messieurs, c'est le dernier appel d'embarquement pour votre vol. Veuillez vous rendre à la porte de départ. Merci et bon voyage. Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for your flight. Please proceed to the departure gate. Thank you and have a pleasant journey. Actionner dans
l'heure. Je vais mettre ici des renseignements par anticipation. Nous allons faire partir tous les services au sol qui enfilent leur travail. Mesdames et messieurs, les portes de l'avion étant maintenant fermées, tous les équipements électroniques doivent être éteints jusqu'à 10 minutes de vol. Si vous êtes arrivé à bord avec un téléphone mobile, vérifiez-le maintenant et assurez-vous qu'il soit éteint et laissé jusqu'à ce que vous soyez dans le terminal. Mon nom est Monia, je serai le commissaire de bord de votre vol aujourd'hui et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Dans quelques instants, nous vous montrerons une vidéo très importante sur la sécurité. Nous vous demandons de consacrer quelques minutes de votre attention à cet important message. Merci et bienvenue à nouveau à bord. Les agents de bord, fermez les portes de départ. Ladies and gentlemen, the aircraft off and let off until 10 minutes into off-flight. If you came on board with a mobile phone, please check that now and make sure it's turned off and left off until you are in the terminal. My name today, and on behalf of the entire crew, we would like to welcome you aboard. In just a moment, we will be showing you a very important safety video. We ask for a few minutes of your undivided attention for this important message. Thank you, and again, welcome aboard. Flight attendants, arm doors for departure. Ok, nous allons fermer donc la porte cabine et nous allons nous préparer au roulage au taxi pour la destination de notre piste de décollage. Flight attendants, doors on automatic, cross check and report. Flight attendants, arm doors for departure. Flight attendants, please prepare for gate departure. Ok, allez, je contacte ATC pour demander le pushback. Pirkema Airline PRKMA1 ready for pushback and engine start. Pirkema Airline PRKMA1 pushback and engine start approved. Pushback and engine start approved. Pirkema Airline PRKMA1. Ok, nous allons donc appeler nos pushbacks. Le poste du sol, le tracteur arrive. Le voilà ici. Et pendant ce temps, je vais demander aux passagers de pouvoir s'attacher. Mesdames et messieurs, le capitaine a allumé la signalisation de la ceinture de sécurité. Veuillez vous asseoir and fasten your seat belt. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Tracteur connecté et broche bypass insérée, relâchez les freins de parking. Relâchez donc les freins de parking, mais bien avant, nous allons avoir des médicaments.
Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Ok. Parti. Lancer les moteurs. On sur le moteur droit. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre vol aujourd'hui. Tous les membres de notre équipe sont ici pour que votre voyage soit le plus agréable et le plus confortable possible. Nous sommes honorés que votre sécurité et votre confort sont nos priorités. Par conséquent, veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée en position assise. Comme cela peut être attaché et desserré de cette manière, nous vous recommandons de garder votre ceinture de sécurité bien attachée en tout temps, car des turbulences peuvent se produire de manière inattendue. Dans l'éventualité peu probable d'une perte soudaine de pression d'air, les masques à oxygène tomberont de panneaux au-dessus de votre siège. Restez assis, étirez le masque vers vous, appuyez-le contre votre nez et votre bouche et continuez à respirer normalement. Vous devez commencer par de l'équipage, mettez-le au-dessus de votre tête. Attachez la sangle au cocher devant et tirez fort pour l'ajuster à votre taille. Avant de quitter l'avion, baissez brusquement la manette rouge pour gonfler la veste. Si vous quittez l'avion avec une issue de secours, veuillez gonfler la veste à l'extérieur. Si nécessaire, vous pourrez faire le plein d'air par le tube. Chaque idée de sauvetage est lente qui s'allume dans l'eau lorsque vous êtes en train. Toutes les issues de secours sont derrière votre siège. Donc, pour revoir ces instructions, veuillez vous reporter à la carte de sécurité dans la poche du siège devant. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Rapprochez des lieux que vous souhaitez découvrir. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Voler plus loin chaque jour dans le confort et la sécurité, c'est notre engagement envers vous. Profitez de votre voyage, s'il vous plaît. Ok, les moteurs sont lancés. Du coup, nous allons désactiver la paix. Ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. Every member of our team is here to ensure that your journey is a pleasant and comfortable one, top priority. So before the aircraft takes off, please pay attention on the following safety instructions. Pier Kama Airline PRKMA1 request taxi to runway 21. It can be fastened and unfastened like this. Pier Kama Airline PRKMA1 taxi to runway 21, hold short runway 21. Le tracteur est décollé, mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol. Fit your own mask before helping others near you. A life jacket is stowed under your seat. When instructed to do so by the crew, pull the life jacket over your head, attach the strap to the hook in the front and pull tight to adjust it to your waist. Before leaving the aircraft, pull the red toggle sharply towards and inflate the jacket. If you leave the aircraft through an emergency over-wing windows exit, please inflate the jacket outside if necessary. You can top up the air through the tube. Every life jacket has a lamp which lights up in the water when you pull the tab. All emergency exits include a luminous exit indicator, photoluminescence strips on the floor will guide you to the exit. Do take time to locate the exit nearest to you. It may be located behind your seat. To review these instructions, please refer to the safety card in the seat pocket in the front of you. This or any other flight is a non-smoking flight. To bring you closer to the places you want to discover, to bring you closer to the ones you love, flying further each and every day in comfort and safety. That's our commitment to you. So enjoy your journey and thank you for your attention. Allez, c'est parti pour notre taxi jusqu'à la piste 21. Refill the vest.
attendre l'autorisation de l'ATC afin de décoller. On a bien un avion au loin qui va décoller tout à l'heure. Nous allons régler donc nos flaps à 1. Mesdames et messieurs, nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous vous invitons maintenant à vous asseoir, à vous détendre et à profiter du décollage. Nous vous donnerons un peu plus d'informations sur notre plan de vol dès que nous serons dans les airs. Merci et encore bienvenue à bord. Ladies and gentlemen, we do thank you very much for your attention and now we invite you to sit back, relax and enjoy the takeoff. We'll give you a little more information about our service plan for our flight as soon as we're in the air. Thank you and again, welcome aboard. PRKMA1 advise when ready for departure. Wilco PRKMA Airline PRKMA1. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Tower PRKMA Airline PRKMA1 ready for departure runway 21. PRKMA Airline PRKMA1 winds are 214F11 knots cleared for takeoff, runway 21 maintain runway heading until above 1000 feet then turn heading 236 to intercept course. Cleared for takeoff, runway 21 maintain runway heading until above 1000 feet then to 236 PRKMA Airline PRKMA1. Okay, allez, let's go for takeoff. Thrust set.
100 knots. J'aimerais me faire mon Koh Lanta ou me baigner dans les eaux des chutes du Niagara. Mais ils m'ont dit que nos esprits ont des formalités et nos envies ont des frontières nos humanisées. Passer par la mer ou le désert n'est pas la solution. Moi je vais voyager pour aller à Bengui. Je vais me chercher accomplir l'essentiel dans tous les bons couillers pour revenir à Abidjan pour garder la famille et toucher le sommet. Ouyouo, Abiyo, Ayo. Atterrissant dans Ouala. En donnant les bras, qu'un, qu'un, qu'un. Tu t'en vimes les bras. 5-5-5-a, faut son tienzi, fa ya ken ken ken. Ye waga meng le bra, 5-5-5-a. My ears is all blazed up.
Ma gadi, ma gadi, yo preferi, ma chérie, yo préféré, mon ami, yo préféré.
flight attendant, prepare for landing. Passagers sont attachés.
Cabin crew, please take your seats for landing. PRKMA1 descent via the Malug transition to 3,500 feet. Descent to 3,500 feet via the Malug transition. Pirkema Airline PRKMA1. Pirkema Airline PRKMA1 QNH is 1013 Edmund Contact Tower on 118.2. Have a good evening. QNH is 1013 Tower on 118.2 Pirkema Airline PRKMA1. Approach Tower Pirkema Airline PRKMA1 inbound for RNAV approach runway 33. Pirkema Airline PRKMA1 good evening. Radar contact. Continue RNAV to runway 33 call when established on final. Continue RNAV to runway 33 will call when established on final Pirkema Airline PRKMA1. Pirkema Airline PRKMA1 this is Franceville Approach Tower on 118.2 please repeat your request. Pirkema Airline PRKMA1 winds are calm clear to land runway 33. Clear to land runway 33 Pirkema Airline PRKMA1.
500. 400. 300. 200. 100. Notre destination. Pour notre sécurité et votre confort, veuillez rester assis jusqu'à ce que l'avion se soit garé et que l'autre commandement de bord ait des activités la pancarte « Attachez la ceinture de sécurité ». S'il vous plaît, vérifiez autour de vous si vous n'avez pas d'effet personnel. Aussi, soyez prudents lorsque vous ouvrez le coffre de à bagages, car des éléments ont pu se déplacer pendant le vol. Mes agents de bord, désarmement des portes. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For your safety and comfort, please remain seated until the aircraft has parked or any belongings. Also, please use caution when...
donc bienvenue donc dans la ville de Franceville. Et je vous dis à bientôt dans nos prochains vols PAK Air France.